Bonjour les filles. Donc aujourd'hui, je vous présente une petite nouveauté que j'ai trouvée sur le site AliExpress. AliExpress propose des produits de marque ou pas d'ailleurs en Chine, donc sortie d'usine. Donc aujourd'hui, j'avais jeté mon dévolu sur un mascara, donc effet 300%. Hein. Donc cet œil-là est fait. Parce que j'ai pas résisté en fait et j'ai voulu faire un essai qui je ne sais pas, vous me donnerez votre avis, moi je vous le donnerai en fin de vidéo. Donc en fait ça se présente donc dans un petit carton, je vous mettrai le lien hein, de toute façon du produit dans la barre d'infos. Ensuite on a un blister dans lequel vous avez votre mascara, donc c'est un duo, c'est côté noir, côté doré. Le packaging est pas mal. Hein. Donc au niveau du côté noir, nous avons une brosse. Je ne sais pas si vous verrez bien. Fine. Donc je ne sais pas si c'est un vrai mascara ou si c'est juste un gel qui va venir coller la fibre. Parce que c'est un mascara fibre. Donc de l'autre côté, vous avez une brosse, voilà, une brosse fibre, où je ne sais pas si vous verrez bien, il y a des petites fibres qui sont collées au goupillon. Donc voilà, moi personnellement, je viens de tester sur cette œil-là, ça fait un peu pâteux parce que je pense que je ne sais pas trop comment l'utiliser non plus, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc ce que je vais faire, c'est que devant vous, je vais faire l'autre œil. Donc on va utiliser dans un premier temps le gel. J'essaye quand même que vous puissiez voir hein, parce que donc oui effectivement c'est pas pour proprement parler un mascara hein. C'est plutôt une base gel bon c'est pas trop, c'est pas vraiment un mascara, vous voyez, ça ne recourbe pas, ça ne n'épaissit pas, ça ne rien du tout. Et ensuite, on va passer au côté fibre. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, oui, effectivement, il y a du résultat. Ouais, il y a du résultat. Je pense qu'effectivement, le premier, je l'avais loupé parce que... on va dire, je suis pas très douée, c'était la première utilisation. Bon, c'est vrai que franchement, les cils sont épaissis, mais la fibre, dans certains endroits, comme ici par exemple, quand on n'arrive pas à bien la placer, ça fait paquet, ça fait cracra quoi. Alors... disons que pour quelqu'un qui a la patience, le temps, tout quoi, ça peut être relativement une bonne idée. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. En plus moi j'ai des cils qui sont, comment dire, indomptables ou avec beaucoup de mal. Donc je pense que il faudra rebrosser les horreurs là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Mais moi je vois la différence, c'est sûr. Mais après, je vais réessayer une deuxième couche, voir. Juste pour voir. Pour voir ce que ça va donner. Alors je trouve quand même qu'il y a du résultat, ça c'est sûr hein, on va pas se mentir. Alors la deuxième couche, ouais.
Ouais, donc il y a du résultat, c'est sûr, mais après, il faut brosser, enfin, faut arranger ça parce que je sais pas si vous voyez, du coup, à certains endroits, ça fait quand même un peu paquet. Mais il y a du résultat quand même, hein, franchement, c'est non négligeable. Voilà. Je peux pas zoomer plus, de toute façon, donc voilà, ça vous donne ça. Je vais regarder un petit peu. Enfin, franchement, ça va, c'est plutôt pas mal. J'essaie de remettre un peu de noir quand même. Alors oui, je sais, je ferme l'œil. Mais je préfère, comme ça, je me rate pas, quoi. Donc, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de loin, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas encore tout à fait sec, hein, par contre. Donc, je dézoome. Donc, voilà. Donc, ici, on a deux couches. Ici, nous n'en avons qu'une. Et c'est vrai que il faut quand même réajuster après. Hein. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas très nettes. Donc je pense que. Enfin voilà. Je pense que vraiment pour les personnes qui ont des cils très très fins, j'épousette un peu parce que ça laisse un peu des fibres. Donc vaut mieux au pinceau. Essayer de retirer l'excédent en dessous. Hein. Mais non, je pense que ça fait la blague. Hein. Ça fait la blague. Je pense que. Ouais. Je pense. Donc, bah écoutez, au moins vous aurez vu. J'attends vos commentaires. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était plutôt. Il fait son job, disons. Hein. Donc, ben, j'attends vos commentaires et puis voir si vous partagez les mêmes avis que moi ou si ça vous a conforté dans l'idée de commander ou pas du tout. Donc voilà, bah écoutez les filles, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, la vie est belle en rose. Bisous!